La Corse est une montagne dans la mer. Une île dont le centre se dresse à la verticale, en une multitude de pointes acérées, de crêtes dentelées, de roches brisées comme des éclats de cristaux. C'est un univers minéral tourmenté, nu et désert, qui semble appartenir à un autre monde, à une planète lunaire. S'il n'y avait dans les creux, quelques petites retenues d'eau et des touffes d'herbes rases. Le paysage est à la fois désolé et sublime, peut-être à l'image de la genèse du monde au premier temps de la création, lorsque tout n'était encore que roche et cendre. Parfois, entre ces sommets de pierre, des coulées de verdure forment comme des rivières qui sillonnent le long des massifs. Ce sont des prairies naturelles, gorgées d'eau, qui se sont en réalité développées à l'emplacement d'anciens lacs glaciaires, dont on peut encore distinguer les traces sous le tapis de verdure. Ces prairies sont-elles des oasis au milieu du désert, des îlots de vie et d'abondance, inattendus et mystérieux ? Des sortes de jardins secrets, le paradis de quelques troupeaux errants, le domaine réservé de quelques dieux. Juste au-dessous de ces jardins d'Éden, les premiers plateaux d'altitude sont comme des champs de bataille, couverts de rochers éclatés et épars, comme si des affrontements surnaturels s'y étaient déroulés, des guerres célestes, entre cohortes titanesques armées de pierres. Dans le domaine réservé aux dieux. Car les montagnes ont toujours été habitées par les dieux. Et les divinités grecques siégeaient sur le mont, là. Haute chaîne de montagnes. C'était. C'est beau ici, hein? Ouais. Zeus vivait dans ces montagnes. Enfin, plutôt ailleurs, puisqu'il est né sur le mont Lycée en Grèce. Il y avait aussi Loug, dieu des Celtes, et aussi Odin et Thor qui vivaient dans le monde d'Asgard. Il y avait Vishnu et son fils Ganesh, mi-homme, mi-éléphant, parce qu'il avait un cabou d'éléphant et le corps d'homme. Ah, ouais. Et il avait un bide, un gros ventre qui portait bonheur. Ouh, ouais. Ça marche sur toi aussi. Et ça marche, tu ne peux pas prendre de sortilège. Et tous ces dieux, qu'est-ce qu'ils ont fait à la création? Ils ont créé tout ça, tout ce qu'on a devant nous, ces pierres avec ces lichens, ces plantes, ces fleurs. Ces montagnes, les rivières, les océans. Ils ont bien fait les choses, hein? Ouais. En Corse aussi, alors? Et en Corse aussi, parce qu'ils vivaient, et ils vivent toujours d'ailleurs, sur les cimes, sur les crêtes inaccessibles. Et ouais, les zones sacrées. Ouais. Attention. Et en fait, ils sont grands protecteurs de notre île. Et ils surveillent chaque mouvement d'entre nous. Et si on n'est pas correct avec la nature, ils nous le font payer. Moi, je croyais que c'était le diable plutôt qui habitait les montagnes. Tu sais qu'elles étaient des sortes de passages vers des mondes souterrains? Des sortes de passages vers des mondes issus des ténèbres, tu sais. Ouais, mais en fait, il y avait les dieux sur les sommets, et en dessous, il y avait les démons et le diable qui vivaient dans les bas-fonds de la terre, les entrailles où il y avait des flammes et tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la montagne, enfin les populations du Néolithique, elles ne vivaient pas en montagne. La terre était réservée aux dieux, ils ne voulaient pas les offenser, donc ils restaient plus bas. Et puis, il n'y a rien qui poussait, il y avait beaucoup de cailloux. Eux, ils étaient en bas, ils cultivaient la terre, ils élevaient les bestiaux. Et aujourd'hui, nous y sommes, ici, à profiter de ce paysage. Mais tu as raison, hein, quand tu dis que les dieux vivaient sur les sommets, c'est plus facile, en fait, plus près du ciel, comme ça. On entre plus facilement en résonance avec les astres, avec la lumière divine. Ouais. Et puis, au-dessus de toutes ces cimes, qu'est-ce qu'il y a? Le jardin d'Éden. Ah
le Jardin d'Éden, quand tu sais que la montagne était habitée par le diable, selon de très nombreuses légendes corses, hein, je t'en raconterai quelques-unes, si tu es sage. Ça va me plaire. Hein. Puis tu sais que même si aujourd'hui on n'est pas trop, on n'a pas trop peur du diable, il faut faire attention parce que les chemins sont jalonnés de pieds. Eh oui, après vous. C'est moi qui ouvre la route alors. Oui. Je médite derrière toi. Ah d'accord. Je contemple la beauté de la nature. Allez viens Vishnu. On a le vent de face, hein? Ouais, c'est dur, là. Le souffle des dieux. Mais tu marches comme Gollum, toi. Et tu le fais pas bien, regarde. Venez, 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 le Hobbit. Parfois, un petit lac glaciaire au bleu profond orne le cœur des massifs, comme une mystérieuse pierre précieuse dans sa gangue minérale. Un saphir dans son coffret métallique, une perle dans son écrin de coquille. La montagne épouse alors la forme d'un calice aux bords ébréchés. Une coupe d'eau pure et limpide qui scintille sous le soleil et illumine les sombres parois rocheuses. Le décor est fabuleux, grandiose, démesuré. Les cimes côtoient les cieux à en donner le vertige. Nul sentier n'entaille ces flancs escarpés qui s'élancent jusqu'aux nuages dans un tumulte de roches et de buissons enchevêtrés, parfois entrecoupés de falaises ou de précipices. L'homme qui se hasarde dans cet univers inhospitalier doit tracer sa propre voie, sa propre destinée. À l'instar des conquérants qui jadis partaient pour des terres lointaines et inconnues, les alpinistes d'aujourd'hui sont des aventuriers téméraires qui défient la nature et ses lois. Bien attaché là, tu es sûr. Attention, attends. On va assurer le coup. C'est un peu... Voilà. Je suis pas très rassuré, hein, Paul. Ouais, mais mets bien tes pieds où il faut. Voilà. T'as pas le vertige au moins. Hein? Oui, j'ai le vertige. Alors bah, bien, regarde, là, il y a des trous. Là, on est sur une arête. Là, il y a un creux, là. Fais attention. Mais où tu m'emmènes? On pouvait pas passer par le chemin des touristes. Mais non, t'inquiète. C'est que mon aïeul, c'était Jacques. Jacques qui? Jacques Balma. Qui est Jacques Balma? C'était un cristallier, figure-toi. C'était un mec qui connaissait la montagne comme sa poche. Il parcourait les Alpes. Attends, j'ai peur. À la recherche de cristaux, du quartz. Ah oui? Qui valait cher à l'époque, c'était au XVIIIe siècle. Et du quartz, on en faisait des seaux, des coupelles qu'on vendait à des nobles. D'ailleurs, qu'est-ce que nous barrer?
c'est ça. Ouais, tu vois. J'ai bien hérité de lui. Par contre, l'escalade, c'était pas trop mon truc. Hein. Ah, c'est maintenant que tu me le dis. Ah, ils sont petits, les grains de quartz, hein, les lobus. On va aller plus haut. Atteint aiguille, hein. Ça. C'est par là que tu veux qu'on descende? Je crois qu'on va se mettre dans notre sens. Oh maman! Ouais. Attends, on est entortillé là. Qui fudge? Eh, tu vas le premier? Hein? Voilà, tu le passes. Et c'est moi qui descends? Oui, maintenant tu es devant. Oh, oui, tu veux me doubler toi. C'est bon? Ah, c'est trop loin. Attends, je mets un peu de magnésie. Bouge pas. Hein. Ça, tu m'entraînes. Voilà, ça accroche mieux. C'est bon ou quoi? Allez. Attention. Oh, on s'est encore entortillé. Regarde. Ah, regarde. Oh là là. Tiens, attends. Tu t'y connais. Vas-y, lâche. Là. Attends, je défais ton jus. On va sauter. Où sauter? Là. Ah, je me sens mieux. Allez, vas-y, on peut. Si jamais tu me réceptionnais. Voilà. Oh mon Dieu, je me sens mieux là. Bah, finalement, en escalade, mon aïeul, il m'a pas appris grand-chose. Hein. J'ai plutôt reçu les gènes d'un bon cristallier. Jacques, hein. Tu le connaissais, Jacques Balma? Mais non, justement, qui c'est ce Jacques Balma? Eh bien, Jacques Balma, c'était un cristallier, mais avant toute chose, c'est un personnage très connu et très célèbre. C'était l'homme qui a gravi le Mont Blanc le premier. C'était de ça, en 1786. T'imagines un peu? Et c'était ton aïeul. Voilà. Et tu dis qu'il était savoyard, donc tu es savoyard aussi. Pas vraiment, mais bon, il y a quand même une petite descendance. Tu sais qu'à l'époque, gravir le Mont Blanc, c'était important pour les gens bien, les ministres et tout, de voir que quelqu'un puisse gravir le Mont Blanc le premier. Donc ils ont donné quand même des sommes, il y avait quand même des récompenses pour celui qui arrivait le premier là-haut. Donc c'était un peu la course et puis le prestige en même temps. Et ce Jacques Balma, comme il connaissait très bien la montagne, hein, les roches et aussi tout ce qui était nature et autres, donc il a attaqué le Mont Blanc et donc il a commencé à le gravir et puis malheureusement il n'est pas arrivé. Donc il est redescendu. Et quand il est redescendu, il a appris que 5 alpinistes étaient partis sur le Mont Blanc. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris le ravitaillement, il a pris le matériel. Bon, à l'époque, on n'avait pas le matériel comme on a aujourd'hui. Oui, j'imagine. Il y avait quelques cordes, quelques bâtons en fer, quelques vieux piolets. Donc il a doublé la cordée de 5 alpinistes. Et ensuite, il a fait un bivouac et puis il n'a pas réussi à gravir le Mont Blanc. Ce n'est que quelques mois après qu'il a réussi, accompagné d'un docteur Packard qui avait financé l'expédition. Et donc, il a réussi un beau jour de 1786, à l'âge de 24 ans. Hey, t'imagines. Jeune, hein? Ouais, je dirais on a boudin de ça, mon oncle. Il me ressemblait un peu, apparemment. Ouais. Alors, derrière ça, après, il a fait le guide sur le massif du Mont Blanc. On l'a même appelé Jacques Balma dit le Mont Blanc. En fait, il y avait le gouverneur en fait de Sardaigne et du duché de Savoie qui lui a donné ce titre. Le titre. Voilà. Donc il a guidé un peu comme ça toute sa vie. Il a d'ailleurs emmené une des premières femmes, la première femme à être montée sur le sommet du Mont Blanc, ça s'appelait Marie Paradis, c'est ça. Ça s'est passé en 1811. Un personnage, il était originaire de Chamonix. Ah ouais. D'ailleurs, il y a sa statue là-bas. Tu regarderas, si tu y vas, je te regarde un peu le profil. Pour la ressemblance. Ouais. Voilà, donc tous ces personnages inconnus de la montagne en Europe et même en Corse, parce qu'ici il y a aussi des alpinistes. D'ailleurs, on parle de montagne, mais en Corse, on peut parler aussi de Jean-Paul Le Cuilge, qui est un des premiers guides de haute montagne. Et on peut dire que la montagne sans Jean-Paul Le Cuilge, c'est comme le désert sans ses Touaregs. Moi, la prochaine fois, je ferai appel à Jean-Paul. Hein, parce que toi, je ne sais pas, mais... Tu iras chercher tes cristaux de roche et moi j'irai escalader avec Jean-Paul. Ouais, mais t'inquiète, on va monter un peu plus haut. On va aller trouver les cristaux. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? J'ai toujours aimé faire ça. Polo, dis le Rhénose. Ah.
Jacques Balmat a emmené Marie Paradis à la conquête du Mont Blanc. 200 ans plus tard, Paul guide Karine au sommet du Reynoso. L'exploit n'en est pas moins grand, au regard de la condition physique des uns et des autres. Car la montagne demande beaucoup d'humilité. Toujours est-il qu'une belle surprise attend Karine sur le versant nord, juste au-dessous du sommet. Une belle surprise en forme de cœur. Moi, ce que j'adore ici, c'est cet aspect de granit grisâtre, là, tu vois. Ça fait un peu lunaire, hein? Ouais. C'est mystérieux. Et paum! Regarde. Waouh, quelle vue! Magnifique, hein? Lac de Bastagne est sous le sommet du Reynoso. Et là, on est sur son versant nord. Et tu vois, cet aspect lunaire avec tous ces perriers, là. La plage, la tiguille, tout. Oh, regarde. Tous ces rochers tout autour. Et grandiose, ce lac. Pas très grand, hein. Enfin, quand même 4 hectares et demi. Hein. Ouais. Et il est magnifique, avec tous ces blocs-là, de pierre. C'est sublime. C'est un lac qui a quand même quelques années maintenant, hein. Comme tous les lacs corses, quelques millions d'années. Hein. Celui-ci, il est compris entre 14 000 et 10 000 ans. J'imagine, ça fait bien des lurettes qu'il a été formé. Sous l'effet d'un glacier, bien entendu, hein. Comme tous les lacs de Corse. Ça, c'était une vraie vallée glaciaire, hein. Tu le vois, le glacier il était là, bleu, tout autour, là. Il montait jusqu'au Reynoso. Ah ouais, ça va être impressionnant. Ouais, t'imagines la masse, le volume de glace, le poids, hein, qui a creusé le lac. Et en fait, il a creusé assez profond, puisque c'est un des lacs les plus profonds de Corse, avec à peu près, on va dire 30 mètres de profondeur. Ouais, le plus profond, c'est... Le Capitello. Voilà, tu m'enlèves de la bouche. Il fait 42 mètres de profondeur. C'est ça. Ouais. Il est beau. C'est impressionnant quand même, cette couleur verte intense, hein? Ouais, alors ce vert, il est dû en partie à une algue, hein, qui est à l'intérieur de ce lac et qui va monter, qui flotte et qui va monter et va donner cette couleur verdâtre. En plus, avec des fois les reflets du soleil, ça donne de très belles couleurs. Et dans d'autres lacs, on retrouve aussi des espèces d'algues filamenteuses ou des potamogétons comme sur le lac du Nîmes. Tu vois, chaque lac a ses spécificités. Il est très beau. On voit bien le cercle comme ça, comme il est bien fermé. Et s'il n'y avait pas ce bourrelet, alors en fait, l'eau, elle aurait dévalé dans toute la vallée de l'autre côté. Et ouais, en fait, tu as bien le verrou, hein, que forme le glacier quand il fond. Et après, ça fige. On s'approche du bord. Ouais, il y a un peu de monde, hein, Johnny. J'entends les voix. J'entends des voix partout. Hein. Attention. Oup. En attendant, j'ai le look de Bardenne. Mais bien c'est pas fait pour la montagne. Javier, viens ici. Et là, on arrive dans la demeure de la déesse Aphrodite. Je sens bien sa présence. Et Bardenne aime bien Aphrodite. En tout cas, ici, il n'y a que des pierres. Tu viens?
Qu'est-ce que c'est beau ici. Eh ouais, c'est magnifique. Et souvent ici, on peut voir le matin très tôt la déesse Aphrodite apparaître du lac avec un glaive à la main, sortant de l'eau, toute nue, avec une queue de poisson, tout écaillée, une paquette, une belette, sa cabellion. Magnifique, la dame de Bastagne. Et elle mange des poissons. Elle se nourrit de poissons. Il y a dans le lac. Ouais. Il y a des poissons, en fait, il y a des saumons de fontaine. Ah. C'est un peu comme la truite Fario, mais le dessous rouge et la robe verdâtre avec des petits points blancs. Elle a une chair saumonée. Alors, ces poissons, ils ont été introduits dans les années 70 hein, par le parc national de la Corse. Ils ont introduit ici à Bastagne, aussi au lac du Capité, parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur de ce lac. Ils ont fait ces opérations à l'époque, hein. Toutes les réserves, les parcs de France. Cette réintroduction, ce sont des saumons qui viennent d'Amérique du Nord. En fait. D'accord. Tu sais qu'il y a aussi une légende qui dit que dans ces eaux paisibles, mais qui sont très très profondes, hein, vivrait un monstre, le monstre de Bastagne. Oui. Ouais. Un monstre qui se nourrit de truites et de saumons de fontaine, et aussi de petits animaux qui tombent dans le lac. Et les chercheurs qui l'ont étudié disent en fait que ce serait une espèce d'énorme anguille qui mesurait plus de 3 mètres de long. Et elle serait devenue aveugle parce que les eaux sont très très sombres, très obscures. Et elle aurait de longues longues moustaches, un peu comme les poissons-chats, qui lui servent à détecter ses proies qu'elle a englouties ensuite dans une bouche énorme. Bah, alors elle doit cohabiter avec Aphrodite. Avec Aphrodite, bah dis donc. Le mari d'Aphrodite. Et tu sais qu'on dit aussi que tous ces lacs de montagne sont reliés entre eux. Hein. Ils sont les fameux passages dont on parlait, tu sais, vers les abîmes qui rejoignent un peu le centre de la Terre, les ténèbres. Beau. En fait, tu dis que tous les lacs se relient par des couloirs. Donc, ouais. Ce qui veut dire que ton monstre, la fameuse anguille géante, là, ouais. Elle pourrait venir du Loch Ness. Parce qu'en en fait, non ? J'avais pas pensé. Et comme les scientifiques ne le trouvent pas là-bas, il est ici à Bastagne. C'est quand elle est là. Ça pourrait être ça. Ouais. En attendant, moi, je vais aller me changer. Pour ? Tu vas pas te baigner là, non ? Ouh ! Elle doit être gelée. N'oublie pas d'enlever tes lunettes, Bardem, tu vas les abîmer. Ok, les lunettes de Bardem, regarde celle-là, les lunettes de Jacques Maillot. Ah oui, tu es beau comme ça, tiens. Oh, il est fou ce type, elle est gelée cette eau. C'est un froid. Boule, sors, Rayo. Trouvez-en ici, on va chercher la dame du lac. Mais Paul, sors de là, elle est gelée. Tu vas tomber malade, hein? Quel froid! Allez! Ouh! Il y a des trucs qui sautent. Cela doit faire bien longtemps, en réalité, que la montagne n'a pas été dérangée de la sorte. Les dieux semblent aujourd'hui bien cléments, tandis que les voiles se déchirent, laissant entrevoir un peu plus ce fascinant spectacle
à la beauté vertigineuse.